Mesdames et messieurs, assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire, culturelle bien sûr, culture religieuse aujourd'hui. C'est ce qu'on va savoir bien sûr à travers les explications de notre invité de marque, Dr Kamal Gadallah, le professeur à l'université de l'Azhar. Vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. Donc, docteur Kamal Gadallah, permettez-nous de prendre un tout petit reportage en ce qui concerne ce sujet. Après cela, on va retourner, bien sûr, à vos explications. Donc, un tout petit reportage. Il est difficile de résumer l'islam à quelques valeurs principales. Néanmoins, les croyances et pratiques religieuses les plus importantes furent identifiées par Mohammed à lui bénédiction et salut, et c'est pourquoi il n'y a point de désaccord à ce sujet parmi les érudits musulmans. Ces derniers se sont mis d'accord sur les principaux enseignements du Coran et du prophète Mohammed à lui bénédiction et salut, et sur les principes de base de la charia ou la loi islamique. Les principales croyances islamiques, ou autrement dit, les 6 articles de la foi. Plus d'un milliard de musulmans partagent un ensemble commun de croyances fondamentales que l'on appelle les articles de la foi. Ces articles constituent le fondement du système de croyances islamiques. Croyance en un seul Dieu. L'enseignement le plus important de l'islam est qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite d'être servi et adoré. Croyance aux anges. Dieu a créé des êtres invisibles, qu'on appelle les anges, et qui travaillent sans relâche à l'administration de son royaume, en toute obéissance. Croyance au prophète de Dieu. Les musulmans croient que Dieu guide les hommes par l'intermédiaire de prophètes et de messagers envoyés à chaque nation. La lignée des prophètes commence avec Adam et inclut Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed. Que la paix soit sur eux tous. Croyance au livre révélé de Dieu. Les musulmans croient que Dieu a révélé son message sous forme de livres, tels les psaumes, la Torah et l'Évangile. Les musulmans croient que le Coran est la dernière révélation de Dieu qu'il a transmise au prophète Mohammed à lui bénédiction et salut. Croyance au jour du jugement. Le monde dans lequel nous vivons connaîtra une fin à un moment déjà décidé par Dieu. Ce jour-là, chaque personne sortira de terre et sera jugée individuellement par Dieu, selon sa foi, ses bonnes et ses mauvaises actions. Croyance au destin et au décret divin. Les érudits musulmans ont résumé les enseignements du prophète Mohammed en quelques affirmations qui touchent à tous les aspects de la vie. Les actions sont jugées selon les intentions qui l'accompagnent. Dieu est pur et n'accepte que ce qui est pur. Il a commandé aux croyants ce qu'il a commandé aux prophètes. La bonne observance de l'islam comprend le fait de ne pas nous occuper de ce qui ne nous regarde pas. Personne ne peut être croyant à moins qu'il n'aime pour ses frères et sœurs ce qu'il aime pour lui-même. Nul ne doit se causer délibérément du tort ni en causer aux autres. Que votre objectif en cette vie ne soit pas d'accumuler des richesses et Dieu vous aimera. Ne vous préoccupez pas des biens des autres et les autres vous aimeront. Donc, docteur Kamal Gadallah, de retour à vous. Bien sûr, il y a des valeurs très importantes au sein de l'islam, comme la véracité et la véridicité. C'est un terme tout à fait rare à prononcer ou même rare à savoir. Qu'est-ce que veut dire ce terme? En fait, il y a une petite différence, une petite nuance entre véracité et véridicité, parce que la véracité, c'est l'authenticité des informations transmises, alors que la véridicité, c'est un caractère.
ce qu'il y a de la vérité, véridicité, il est véridique. Donc, ce terme montre que le dire de la vérité, ou bien être véridique, c'est un caractère inné, en fait, chez l'homme, qui est tout à fait inaliénable, donc qu'il le garde toujours. Donc, le prophète, avant d'être envoyé, il était qualifié par son peuple de As-Sadiq al-Amin, c'est-à-dire le véridique honnête. Donc, en tête de versets qui font appel à la véridicité, il y a le dire d'Allah, gloire à lui, « Ya ayyuha allazina amanu attaqullaha wa kunu ma'as sadiqin »« Oh, ceux qui ont cru, prémunissez-vous envers Allah et soyez avec les véridiques. » Donc, cette sincérité ou bien cette véridicité, elle n'était pas cette fois-ci verbale, mais elle était pratique, parce que les versets suivants parlent de la nécessité, l'obligation que le musulman se range autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la sincérité. Donc, les Médinois, mais aussi les Bédouins des alentours, il ne sait pas à où de s'écarter du prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment difficile. Donc, ça fait partie aussi de la véridicité. Donc, la véridicité, ce n'est pas seulement verbal, mais il est aussi pratique. Oui. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes convaincu d'un principe quelconque, comme par exemple les premiers musulmans étaient tout à fait conscients que l'islam, c'est la vérité. Oui. C'est la vérité cosmotique, si vous voulez. C'est la vérité universelle, c'est la vérité divine. Donc, ils sont attachés de ce principe et ont subi plusieurs tortures, châtiments, par exemple, tourments et tout ça, pour défendre leurs principes. Donc, oui, c'est une sorte de véridicité. Lorsqu'il était en guerre contre un ennemi qui les dépassait largement en matière de nombre, en matière d'équipement et d'armes et tout ça, il était très très ferme, très courageux, très brave. Ils n'ont pas essayé de s'échapper. Oui, ils n'ont jamais essayé de s'échapper. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient très bien que la conséquence est tout à fait connue. Oui. Soit par exemple, ils vont remporter la victoire, donc ça sera une joie pour eux. Soit ils vont se martyriser, donc ils seront au paradis. Donc dans le cas, ils sont gagnants. C'est pourquoi il était tout à fait attaché à ce principe. Donc la véridicité, c'est quelque chose de global, pratique, verbal, et aussi comportemental. Et la véridicité, en fait, c'est une grande valeur qui était exhortée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit dans un hadith: cherchez toujours le vrai, la véridicité, la véracité, car cela conduit à la bonté pieuse qui mène à son tour au paradis. Oui. Et évitez à tout prix le mensonge qui conduit normalement à la mauvaise foi, qui conduit à son tour à l'enfer. Oui. Et il nous a fait apprendre comment être véridique. Il a dit, à force de dire la vérité, et dire la vérité de plus en plus, on finit par être véridique. Et à force de dire... Être véridique auprès d'Allah. Auprès d'Allah, normalement. Oui. Jusqu'à être inscrit ainsi, en fait, dans la table conservée, alors le mahfouz. Et à force de mentir, puis mentir, puis mentir, donc on devient complètement menteur et ainsi inscrit auprès d'Allah. Ouais. Donc c'est un exercice tout à fait pratique de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toujours, nous affrontons des épreuves dans notre vie. Et à travers ces épreuves, et bien sûr, on peut être véridique ou menteur. Oui. Ce n'est pas, en fait, ce n'est pas très aisé ou bien très facile de garder une valeur sublime, surtout lorsqu'il s'agit d'une corruption communautaire dans la société. C'est-à-dire, par exemple, si vous croisez la plupart du temps des gens qui ne sont pas à la hauteur. Oui. Donc, être véridique, il y a un risque quand même. Mais le prophète nous a enseigné que la véridicité, en fait, nous épargne plusieurs problèmes.
ou bien nous conduit en fait à échapper pelle de plusieurs difficultés. Donc, preuve à l'appui est ce qu'a fait un des hommes pieux qui s'appelle Abou Yazid al-Bastami, qui était tout petit lorsque son père a été décédé. Donc, il était brillant, intelligent. Sa mère lui a ramassé son héritage de son père. Et lui dit, donc engage-toi devant moi et prenons Allah pour témoin d'être toujours véridique et ne jamais dire de mensonge. Donc il a donné le serment à sa mère. Et lorsqu'elle était en route, la caverne a subi une sorte d'assaut de la part des brigands. Donc ils ont pillé tout ce qui était avec les voyageurs, exception est faite pour cet enfant. On lui a posé la question, tu as quelque chose? Il a dit, j'ai une cinquantaine de dinars. Donc, on s'est raillé de lui, on a dit, oui, un petit enfant comme ça, comment il pourrait-il, par exemple, orienter son argent? Donc, de retour à leur chef, il a dit, vous avez pillé toute la caravane? On lui a dit, oui, exception est faite pour un petit enfant qui a dit, j'ai déjà 50 dinars, bien 50 dinars. Donc, on s'est raillé de lui, on l'a laissé. Il a dit, bon, donc je viendrai avec vous. Il a rencontré cet enfant, mais cet enfant qui est éduqué à l'islamique. Il lui a dit, tu as de l'argent, mon petit? Il lui a dit, oui, j'ai une cinquantaine de dinars. Il lui a dit, mais comment, par exemple, divulguer le secret de ta bourse comme ça, de façon tout à fait aisée? On pourrait prendre de temps pour tout fouiller et tout ça. Il a dit, parce que je m'engageais devant ma mère de ne pas mentir. Il lui a dit, tu as peur de violer l'engagement que tu as donné à ta mère, alors qu'Allah nous a donné un engagement qu'on ne cesse de violer, de trahir jour et nuit, moi, je me repens devant toi et je me déclare en fait innocent de tous les crimes et je cesse en fait de perpétrer n'importe quel crime. Moi, maintenant, je suis correct. Donc, cela montre quoi? Cela montre que la véridicité, c'est le court moyen en fait pour atteindre la gloire aussi bien. Et montrer comment terrestre. Même les pratiques peuvent être un point changeant. Un point tournant, si je peux dire, pour même les êtres qui ne suivent pas le chemin d'Allah. Permettez-moi tout d'abord de prendre une toute petite pause à travers une visite tout à fait intéressante à une mosquée islamique. Bet el-Sehemi, ou la maison d'El-Sehemi, est l'un des sites touristiques les plus distingués. Il s'agit d'une maison ottomane qui reflète la magnificence de l'architecture islamique au XVIIe et XVIIIe siècle. La maison d'El-Sehemi se trouve au cœur du Caire fatimide, dans la région d'El-Gamaleya, dans une petite ruelle baptisée Ad-Darb el-Asfar, tout près de la rue d'El-Mouiz. Une rue qui regorge de monuments islamiques. La maison d'El-Sehemi est construite sur une surface de 2000 mètres carrés et se compose de deux étages. Le premier, Al-Salamlik, est consacré aux visiteurs et le deuxième, Al-Haramlik, est consacré aux visiteurs femmes. Ces deux étages comprennent 119 salles. Le nom actuel de la maison est dû à son dernier propriétaire, Cheikh Mohamed Amin al-Sehemi, qui l'a acheté en 1796. En 1930, le gouvernement égyptien a acheté la maison antique des petits-fils de Cheikh al-Sehemi à 6000 livres égyptiennes et a consacré une somme de 1000 livres pour sa restauration, qui lui ont rendu sa splendeur. Et elle a été réinaugurée, donnant l'exemple à l'une des plus belles et plus riches maisons ottomanes en Égypte. Du point de vue architectural, la maison d'El-Sehemi est composée de deux édifices, l'une au sud et l'autre au nord. Par Cheikh Abdul Wahab Tablaoui, et la date de sa construction est gravée sur une frise en bois au-dessous d'une chaise qui se trouve dans la cour interne de la maison. La partie nord de la maison d'El-Sehemi est construite en 1796
part, Ismaïl Chalabi l'a annexée à la partie sud, formant ainsi une seule maison composée de deux édifices. L'architecture extérieure de la maison est composée de trois façades en pierre. La première est la façade principale, qui se trouve dans le côté sud-ouest et est composée de trois étages et donne sur la ruelle del Darb el Asfar. Juste au milieu de la première étage se trouve l'entrée principale de la maison, formée d'un arc brisé. Et à gauche de cette entrée, il y a une autre porte qui conduit vers les annexes de la maison et vers le tombeau du cheikh Nasreddin al-Arba'in. La façade de cette première étage renferme un nombre de fenêtres devancées de grillages en bois. La deuxième façade de la maison se trouve dans la partie sud-est et donne sur la ruelle del Darb el Asfar. Et elle se compose de deux étages. Cette façade, comme la principale, renferme plusieurs fenêtres. Dans la partie est de la deuxième façade, il y a une porte qui conduit vers le jardin postérieur de la maison. La troisième façade de la maison se trouve dans le côté nord-est. Et maintenant, une grande partie de cette façade est complètement démolie. Chers téléspectateurs, de retour à notre sujet, les grandes valeurs au sein de l'islam. Nous pouvons dire que l'une de ces valeurs les plus essentielles, c'est bien sûr la tolérance. Toujours, on trouve que l'islam et le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, prêchent à la tolérance. Pourquoi notre docteur? Parce qu'en fait, la tolérance est une valeur humaine tout à fait sublime. Je vous dis pourquoi. Parce que c'est quoi la tolérance? C'est d'accepter l'autre. Oui. Et il faut connaître que dans cette vie, il y a le moi et l'autre. Il n'y a pas de copies en fait tout à fait identiques, ou bien des exemplaires tout à fait semblables. Il y a toujours des variétés, des variations en réflexion, en croyance, en attitude par exemple. Et même pour les traditions, vous pouvez tomber sur par exemple plusieurs villes ou villages qui sont tout à fait hospitaliers, qui ont de l'hospitalité, qui sont généraux. Mais chaque village a ses traditions d'hospitalité qui ne sont pas les mêmes des autres villages. Oui. C'est-à-dire même il y a une variété dans le bien. Si on accepte qu'il y a une variété dans le bien, donc est-ce qu'on pourrait rejeter qu'il y a une grande différence entre le bien et le mal, entre le jaune du bien et le jaune du mal? Donc il y a toujours des méchants, il y a toujours de bons hommes. Donc partant de cette vérité, étant donné qu'on ne serait jamais en mesure d'unifier les attitudes de gens, et on sera toujours obligé de vivre avec des semblables et avec en fait des différents. Donc la tolérance, c'est une nécessité cosmique et aussi une valeur humaine sublime. La tolérance, l'une des fruits encore de la tolérance, c'est toujours le fait de chercher la paix, ou c'est un chemin vers la paix, parce que être tolérant avec les autres, c'est-à-dire accepter, comme vous venez de dire, la différence, accepter la différence, accepter la différence, parce que cette tolérance en fait qui était ancrée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien avec les juifs de Médine, avec les chrétiens de Najran, avec par exemple même les polythéistes. Savez-vous, le prophète, il a dit un jour, après avoir mené plusieurs batailles avec le Quraychite, il a dit, même aujourd'hui, s'il m'appelle à un plan de paix, je vais me soumettre aussitôt. Pourquoi? Parce qu'il cherche la paix, il cherche la coexistence pacifique. Savez-vous, par exemple, qu'après presque plus de 1000 ans, par exemple, plus de peut-être 1100 ans, bien 1000 ans et quelques, Voltaire a appelé à la tolérance au siècle de Lumière. Montesquieu a appelé à la tolérance. Par exemple, vous avez Candide, vous avez Zadig, Zahir de Voltaire, vous avez Lettres et Personnes de Montesquieu, l'Esprit de Loi. Oui. Ils ont appelé à la tolérance et ils ont trouvé que la maladie incurable qui pourrait menacer toute l'humanité, c'est le fanatisme. Oui. Donc, ce fanatisme. C'est la vengeance. Et la vengeance. Oui. Ce fanatisme, en fait, a été combattu par le prophète 1000 ans
Et plus, avant, avant l'apparition de siècles de lumière, ou bien de Aufklärungszeit, d'après l'expression allemande. Donc, c'est une valeur qui était ancrée par le prophète, qui était tout à fait tolérant, même en cas de triomphe, et surtout en cas de triomphe. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit le prophète à ce propos ? C'est-à-dire, ce n'est pas le pardon en cas de faiblesse. Premièrement, vous êtes en mesure de vous venger, mais vous laissez libre cours à l'agresseur et vous vous tolérez avec lui. Donc, c'est ça l'essentiel. Et il a pratiqué, en fait, il a mis en pratique ce principe. Lorsqu'il est revenu à la Mecque, triomphalement, même sans guerre, parce que les Mécois, Kouachites, ont cru fermement qu'ils ne sont pas du tout en mesure de faire face au prophète. Oui, et ça sera l'esprit de la vengeance. Oui, l'esprit de la vengeance. Avant même que le prophète se comporte vis-à-vis d'eux, il y avait quelqu'un qui était un chef, chef d'armée, chef d'armée. Il a dit aujourd'hui, c'est le jour de la guerre, des massacres. De massacres. Le prophète, il a enlevé de lui le drap, il l'a donné à son fils, c'est-à-dire pour ne pas le blesser, parce que oui, donc à ta place, c'est ton fils, il n'y a aucun problème. Et il a dit aujourd'hui, c'est le jour de la clémence, de la tolérance. Donc, puis il s'est retourné aux Mécois en leur disant qu'est-ce que vous en pensez que je me comporte vis-à-vis d'eux après avoir perpétré tous ces crimes? Ils ont dit normalement, c'est bien parce que tu es un bon frère et aussi descendant d'un bon frère. Il a dit donc, allez-vous, vous êtes libre. Je ne dis que. Comme il a dit mon frère, ou bien mon confrère, prophète Joseph, à ses frères, « La tathrib alaykoum liyoum et yaghfiru Allah lakoum arhamur rahimin » Point de gêne n'incombe à vous aujourd'hui. Donc la tolérance et la clémence, ce sont l'un des instruments les plus efficaces afin de briser le cercle vicieux du sang. Oui, le cercle vicieux, si vous voulez, non seulement du sang, mais de la méchanceté avant tout. Parce qu'il y a seulement le sang. Le sang, c'est l'une des manifestations de la rancune, par exemple, de la haine, de la violence, par exemple, des mauvais instants. Donc, il faut combattre tout ce dispositif tout à fait malévent, tout à fait méchant. Donc, pour les combattre, il faut en créer la tolérance, il faut en créer la clémence, il faut en créer la miséricorde et la bonne affection vis-à-vis des autres. Oui, et bien sûr, l'une des valeurs encore prêchées par l'islam, c'est la dévotion. Oui. Qu'est-ce que veut dire la dévotion ? La dévotion, en fait, c'est de se consacrer entièrement à Allah, à ses ordres, à ses enseignements, de défendre un principe, ce n'est pas, par exemple, un intérêt privé. Oui, c'est-à-dire al-ikhlas. Al-ikhlas, la dévotion al-zuhd. Al-ikhlas ou bien al-zuhd. C'est-à-dire de se débarrasser. Chercher seulement l'intérêt de Dieu. Se débarrasser de n'importe quel motif terrestre. Et être attaché à un seul motif céleste, c'est Allah. C'est-à-dire, lorsque vous procédez à faire n'importe, bien amener n'importe quel acte, il faut bien contempler et réfléchir. Est-ce que cet acte pourrait satisfaire à Allah ou non? Même si elle satisfait à Allah, mais elle ne te donne pas, par exemple, l'apaisement et la sérénité, il faut le faire. Parce que, par exemple, parfois, s'il y a quelqu'un qui a une animosité ou bien un conflit avec quelqu'un d'autre, et vous lui dites, par exemple, ah oui, mais si tu te tolères vis-à-vis de ton frère, donc ça sera tout à fait agréable auprès d'Allah. Elle pourrait te dire, ah oui, elle pourrait être agréable auprès d'Allah, mais moi, personnellement, je ne peux pas le faire parce qu'en fait, ça ne me fait pas plaisir. Donc, c'est une contradiction tout à fait flagrante. Parce que, radia lillahi wa radiba lillah, il faut être satisfait, partant de la satisfaction d'Allah, de l'agrément d'Allah, et être mis en colère parce qu'un tel acte pourrait mettre Allah en colère. Donc, c'est l'essentiel. An yuhibba al-mar ala yuhibbuhu illa lillah. Parce que le prophète, il dit, il y a trois choses, eh bien trois caractéristiques, une fois remplies chez une personne, donc il va sentir normalement la douceur
de la foi. Premièrement, le fait qu'Allah et son prophète, lui, soient le plus aimé que tout autre. Deuxièmement, d'aimer la personne seulement dans le sentier d'Allah. C'est-à-dire parce qu'il est correct, parce qu'il est un vrai croyant, parce qu'en fait, il s'agit de quelqu'un qui est vertueux, pieux. Donc, Allah l'aime, moi aussi je l'aime. Troisièmement, de détester de revenir à la mécréance autant qu'elle déteste d'être rejetée à l'enfer. Donc, ce sont des choses, en fait, tout à fait vertueuses, tout à fait gracieuses, desquelles il faut que tout croyant cherche à se caractériser. Et nous, nous sommes récompensés par nos intentions, non seulement par les actes. Oui, donc, normalement. Par parce la, qu'en dévotion, fait, oui. La dévotion, oui, parce que nous allons faire ou chercher à faire un acte pour satisfaire, oui, Dieu, mais aussi les autres, Dieu ne l'accepte pas. Ça sera une sorte d'associanisme. D'associanisme. C'est-à-dire, oui, et, oui, comme le polythéisme. Oui, oui. Et Allah, qu'il soit glorifié, n'accepte ils pas cela. Ils sont passe. Normalement, ils sont passe, parce qu'il n'a pas besoin. Donc, le premier hadith... C'était dans tout le recueil de la Sunna, ce qu'on appelle en arabe hadith al-bab, c'est-à-dire le prologue, si vous voulez, c'est ce hadith relatif à l'intention, à niyya. Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes sont mesurés en fonction des intentions. Chacun sa rétribution en vertu de son intention. Donc c'est le premier hadith. Donc il faut avoir de la bonne volonté, de la bonne intention, puis de la bonne action. Donc ce sont des choses tout à fait indissociables. Et on est récompensé en vertu de la sincérité de l'intention. Monsieur notre professeur Kamal Gadallah, mais je dois vous remercier infiniment pour être notre partenaire dans les paradis, bien sûr, dans les jardins du paradis, dans les cercles d'invocation d'Allah. Et merci beaucoup pour vos explications très profondes en ce qui concerne les valeurs prêchées par l'islam et aussi, mais aussi les pratiques que l'islam veut toujours sur le terrain. Merci. Donc c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs, et bonne suite de nos programmes sur Native International.